Voilà une nouvelle qui va décevoir les fans de Serge Lama, le chanteur renonce à sa tournée d'adieu, prévue pour passer partout en province. La faute à la crise sanitaire et aux mesures anti-Covid qui mettent les artistes dans le pétrin, les privant de public. La société Coulier Productions a diffusé un communiqué ce mardi 19 janvier 2021, pour s'adresser aux spectateurs de Serge Lama qui comptaient le voir une dernière fois sur scène avant que leur idole ne tombe. En raison de la crise sanitaire qui l'a déjà contraint à reporter à deux reprises la tournée Adieu chère province n'ayant à ce jour aucune visibilité sur la durée de cette pandémie. Serge Lama a pris la décision d'annuler sa tournée prévue à partir du 1er octobre 2021 ainsi que les deux représentations au Palais des Congrès de Paris les 8 et 9 décembre 2021. C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que Serge Lama a pris cette décision difficile, peut-on lire. Un coup de massue pour les fans de l'interprète de Je suis malade, Les petites femmes de Pigalle ou encore D'aventure en aventure. Mais Serge Lama, qui sait sa santé déclinante depuis quelques années, ne peut pas prendre le risque d'attendre encore longtemps que la crise sanitaire se résolve. Compte tenu de l'ampleur de la crise sanitaire et de son handicap physique qu'il assume depuis maintenant plus de 50 ans, il avait été victime d'un terrible accident de voiture, note de la rédaction, il ne peut présager de sa capacité à se produire sur scène en fin d'année, en 2022, voire en 2023 si les conditions sanitaires devaient lui imposer un nouveau report, annonce avec une grande transparence ce communiqué. Bien qu'il regrette sincèrement de devoir renoncer, Serge Lama réfléchit actuellement à une autre façon de dire au revoir à son fidèle public. Il faut donc s'attendre à une prochaine surprise de sa part.